Do as filmmakers is we elevate spirits of people. We make them laugh, cry, scared, whatever it is. We serve a very important purpose. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne définition des producteurs, parce que les producteurs sont très différents les uns des autres. D'un pays à un autre, le métier n'est pas forcément le même, mais je crois qu'on peut dire que les producteurs sont des gens qui contribuent à ce que les films existent. Ce qui est intéressant dans la production, c'est qu'on a une implication dès le départ, totalement en amont, c'est-à-dire souvent dès qu'il y a juste un désir, une idée, un pitch, trois lignes dans un journal qui donne un début d'histoire ou une envie de collaborer avec quelqu'un, jusqu'à la fin. A good producer is someone who pays the checks and finances the movie and is credible and promises people and keeps their promises. The job of a producer basically is financing the production. The idea is to have a basic concept which you think is a winning concept and to pick all the elements that you think will make it work. C'est quelqu'un qui accompagne le mieux possible le projet de son réalisateur, qui comprend vraiment dans le détail et qui travaille dans le détail pour comprendre ce que le réalisateur veut raconter, comment il veut le raconter, et essayer de l'accompagner au mieux dans ce sens-là. I'm trying to find solutions to any kind of problems that can come up, you know, because there are always a million different ways, from my experience, to get around things or to find other paths, to try and circumvent people saying no. And try and always look for the yes. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui connaît ses forces et ses faiblesses, et qui sait trouver un équilibre entre ses différentes compétences. C'est d'abord quelqu'un à l'écoute du projet d'un autre. Le producteur n'est pas le réalisateur. Donc moi, j'essaye de déterminer les sujets qui m'intéressent, de savoir que je suis vraiment à 200% derrière un projet. Il m'arrive parfois, en cours de route, de me dire mais c'est une bonne idée, mais c'est pas un film. La capacité d'anticiper l'adéquation entre le goût du public et ce qu'il développe. Le producteur, il doit être là effectivement pour être le lien entre le réalisateur et une histoire et le public. Et donc il est là, un, pour financer, deux, pour mettre en place et produire, et trois, pour essayer de faire en sorte que le film sorte, et que le film sorte le mieux possible, et qu'il soit vu par le plus de monde possible. In 2010, I was in Cannes with two films in the official competition. One is a film by Mathieu Amalric called On Tour, Tournée. The other one was the film of Julie Berticelli called The Tree with Charlotte Gainsbourg. For me, it was the top of the top to be in a competition in Cannes with two films. One was at the beginning of the festival, the other one was at the end of the festival. I was just, very satisfied because it's like it's a lot of work that we did. I mean, we went to Australia to do a film, you know, for us French people to go to Australia to do a film, it's like, and Tournée was also a very challenging film because it was about something very new and with unknown actor, and it actually make me feel like, okay, I can continue and I want to continue even more because it's like I can share it. J'ai produit un film qui s'appelle Lebanon, qui est un film israélien qui a gagné le Lion d'Or, qui est un des plus prestigieux. Et ce film, malheureusement, n'a pas eu un très grand succès en France. Il a fait 50 000 entrées, ce qui est bien pour un film israélien, mais qui était très décevant. Et je me suis dit, bon, si après tous les risques que j'ai pris, le film a beaucoup de problèmes en production, j'en arrive qu'à ce résultat-là. Le film s'est vendu dans le monde entier aussi, mais les spectateurs ne venaient pas voir le film. Je me dis, à quoi bon? Et j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit, écoute, je suis très fier de toi que tu aies fait ce film. Je lui dis, papa, je crois que je vais arrêter, je vais faire un autre métier. Il m'a dit, si tu le fais pas, qui le fera? Voilà. Et c'est ça c'est l'autre anecdote. C'est-à-dire que dans les moments où on est presque sur le point d'abandonner,
si on sait exactement ce qu'on veut, pourquoi on le fait, on arrive à continuer. Donc je crois que c'est ces deux moments, d'être capable de, d'un côté, dans des moments irrationnels, de prendre des décisions rationnelles et surtout de ne pas se mentir à soi-même, et d'un autre côté, de comprendre pourquoi chaque jour on se lève et pourquoi on fait des choses difficiles qui ne rendent compte pas toujours le public, qui ne font pas de nous des gens tels qu'on les imagine, très riches, tout ça. Au contraire, des gens qui prennent des risques importants, qui mettent en danger parfois leur vie familiale, parce qu'on donne beaucoup à ce métier. Ça, pour moi, c'est très très important. The good story. The good story was getting the bill for how much it cost, and then I cried. But I tell you, no, this film was my redemption. So Electric Children is a beautiful film that makes you want to continue to produce movies, because when you have a team that's all excited and everybody loves you and it's a love fest and nobody's arguing with each other, and you can break out the biggest pleasure of being a producer, which makes you want to produce another movie besides making money, which is mostly what I want to do, and I see a possibility of at least recouping my investment here, which is the first thing is on a producer's mind, is to be able to break out your director and break out your actress. Now that all of America is talking about Julia Garner, my actress, and all of America is talking about Rebecca Thomas, this gives me a great sense of accomplishment and pleasure. Il y a un moteur profond qui fait que on continue. Des doutes, en fait, chez moi, ils sont assez permanents. Le premier film qu'on a fait, on a montré à la personne qui devait distribuer le film en France, et finalement, alors qu'elle avait choisi sur scénario, elle a décidé de pas le distribuer, à un coût assez difficile. Et du coup, avec mon associé, Gisa Kuto, on s'est assis dans le bureau, on s'est dit, bon, bah, on va finir le film. Et puis voilà, et ce film, après, il est allé à Cannes et il a eu du succès. Donc on a tout de suite commencé avec des épreuves, mais comme tous les producteurs. Comme c'est une industrie du prototype, donc le doute est forcément... à chaque fois qu'on recommence un film, bon, j'ai l'impression de recommencer à zéro, ce qui est faux, mais en même temps, c'est... Voilà. De temps en temps, quand le film sort, on est déçu par la manière dont on est accompagné par le distributeur, ou par la manière dont le film est accueilli. Et du coup, ça donne envie d'arrêter, parce qu'on a une envie de communiquer une histoire, de communiquer quelque chose, et de communiquer des joies, des émotions. Et si on n'y arrive pas, soit parce que le public n'accepte pas, soit parce que le distributeur lui-même ne fait pas l'effort qu'il faut pour que le public accepte, ça peut être extrêmement décevant. Il y a souvent une anecdote, une blague qu'on m'a racontée, que j'aime bien, sur les producteurs. Ce sont deux producteurs qui se croisent et qui y en a un qui parle à l'autre, il disait, toi tu arrives vraiment à dormir la nuit, tu fais pas trop de cauchemars, c'est tellement dur ce métier, parce que moi je dors plus du tout. Et là tu dis, ah non, moi je dors très bien, je dors comme un bébé, je m'endors, je me réveille, je pleure, je me rendors, je me réveille, je repleure, je me rendors, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété dans l'ADN du métier de producteur. When you're working as a producer, you are gonna come to so many places when people will say no. Like in any kind of profession, I think that where you're trying to do something creative, you're gonna get so many no's. But then when you get that yes, it really does confirm that you can make your project and that you can pull it off, and that's what really motivates. Just the fact that when someone believes in you and you haven't, you know, this was my first movie, so it was just it just felt so good to see that this vision could come into fruition and become a reality, and it's kind of like a dream coming true, you know, literally. So it was a really happy moment. Avec ce qu'on a organisé à l'APC, au syndicat des producteurs français, c'est un lieu où on peut se rencontrer. Je pense que dans tous les festivals, il faudrait vraiment ce genre de rencontres, il faudrait vraiment qu'on favorise les rencontres entre producteurs. Mais ça m'intéresse toujours d'aller voir un peu d'autres systèmes, et c'est bien de voir des films avec un regard plus extérieur. Et là, on découvre quelques jeunes réalisateurs ou réalisatrices américaines très intéressantes. Je pense qu'il faut, c'est des métiers comme dans plein d'autres métiers, il faut se nourrir. Puis un jour, finalement, cette nourriture donne quelque chose, et pas forcément toujours celle que vous attendez, justement. Parce qu'il faut laisser les choses rentrer. Donc même pour moi, qui suis très expérimenté sur les États-Unis et la France, c'est quelque chose de très intéressant.
Et donc oui, je trouve que c'est en train de se développer. We can learn a lot of if we meet some independent producers and see how they work. It's very different the system in France and in America, so it's always interesting. This is also focalized on French American because it's in Deauville. I think that it's an amazing festival because it's incredibly intimate and you get to meet a lot of people, talk to them about your ideas, hear their ideas. It's an incredible fusion and it's the perfect place. This is a place to film and it's a place to, yes, I mean, it's to meet people and to get ideas. I mean, I learned some things about filming in France, which I had no idea that you can get a 20% rebate here. My ideal is to make a French production that we find a storyline where necessarily as an integral part of the story one would speak English because you can't sell a film in America if it speaks that's French. Découvrir et comme c'est un festival où on est quand même très proche les uns des autres, ça permet aussi d'aller voir les réalisateurs, les comédiens, de leur parler, d'aller un peu au-delà du film qu'on a vu, de comprendre un peu la démarche. Donc c'est un lieu de découverte. Français et Américains travaillent de manière extrêmement différente. Les financements ne sont pas les mêmes, la logique de production n'est pas la même. Moi j'ai beaucoup de projets avec des Américains, j'ai coproduit des films avec eux. Je crois que Deauville, c'est vraiment un élément pour moi à développer. C'est-à-dire de faciliter ces rencontres dans un cadre qui Cannes, on est tous un peu les uns sur les autres, il y a énormément d'événements, on n'a pas le temps de se concentrer. Ici, quand on vient ici, c'est qu'on prend un peu de temps pour rencontrer les gens, c'est vraiment important. Merci au Festival de Deauville et longue vie au Festival de Deauville.